Bonjour Madame Guilbon. Bonjour. Et ce matin, ça va? Vous avez bien dormi cette nuit? Oui, ça va. D'accord. Ah, vous avez enlevé la protection? Ah oui, il fallait pas? Oh non, c'est pas grave, je vais voir. D'accord. Ah, il a eu une odeur. Est-ce que vous avez des brûlures? Non. Bon, je vais faire une bandelette urinaire. D'accord. D'accord, je reviens. Merci. Madame Dupont? Oui? Je suis là pour faire la bonne lettre urinaire et je vais voir avec l'infirmière. D'accord. Je pose ça là? Oui. C'est positif. D'accord. Bon, je vais voir avec l'infirmière. Elle viendra vous voir. D'accord. D'accord. Merci. Je reviens. Ok. Bonjour Valérie. Bonjour Marlène. Je viens de faire une bandelette urinaire à Madame Dupont. Elle est positive. Je crois qu'elle a une infection urinaire. Bon, je vais appeler son médecin traitant, voir s'il lui prescrit un antibiotique et un ECBU. D'accord. J'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour docteur, c'est Valérie de l'EHPAD Boussicot. Je vous appelle parce qu'il semble que Madame Dumont ait une infection urinaire. Effectivement, elle a l'habitude de faire des infections urinaires. S'il vous plaît, faites dans un premier temps un ECBU. Je pense que on va la mettre sous ciprofloxacine 500 mg x 2 par jour pendant 10 jours. Bon, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ciflox, 500 mg x 2, Péros, IV. Si j'ai bien compris, Marlène, il faut que tu fasses un ECBU. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer l'antibiotique. Il doit y en avoir en stock. Le médecin viendra ensuite régulariser la situation. Ok, j'y vais tout de suite. Madame Dupont? Oui. J'ai vu avec l'infirmière, il a appelé le médecin traitant. Du coup, ils viendront faire l'examen d'urine. On oui. veut mettre plus l'antibiotique après. D'accord. Bon, je vous raccompagne aux oui. toilettes sur D'accord. la chaise percée. Oui. Bon, je vous aide. Oui, merci. Merci. Ça va aller? Oui. Tiens, j'ai préparé le bon d'examen. Tu peux l'envoyer à la bactério pour analyse. Moi, je vais préparer le traitement de Madame Dupont. D'accord. Merci. Ok, à tout à l'heure.
Bonjour docteur. Ça va bien? Oui, ça va bien, je vous remercie. Bon. Tiens, Madame Dupont, elle a la ciprofloxacine. Oui, elle fait une infection urinaire. Oh, bah zut. Bonjour docteur. Bonjour Marlène. Bah justement, c'est Marlène qui, en changeant la protection ce matin, a trouvé une odeur désagréable. Ah. Oui, du coup, ce matin, j'ai vu la protection et il avait une odeur. Je me suis permis de faire une bandelette urinaire et c'était positif. D'accord. La protection. J'ai pas tout compris. Hein. Je ne savais pas que la bandelette a été faite dans la protection. En plus, là, c'est pas fiable de faire la bandelette urinaire dans la protection. Et s'il vous plaît, est-ce qu'elle se plaignait des douleurs en urinant? Non. Ou est-ce qu'elle avait de la fièvre? Non. Et est-ce qu'elle avait d'autres symptômes urinaires, s'il vous plaît? Non. Ou plutôt, est-ce qu'elle n'était pas comme d'habitude, elle avait un trouble du comportement, quelque pas chose qui tout. Nous a choqué? Pas du tout. Ça doit être plutôt une colonisation urinaire. Hein. Et à mon sens, je crois qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques dans cette indication-là. Oui, s'il te plaît, Karine, je crois que là, je vais pouvoir arrêter la ciprofloxacine. Et comme tu le sais aussi, il y a une interaction entre la cipro et les AVK. Oui, oui, puis je pense que dans les recommandations du traitement des infections urinaires, la ciprofloxacine n'a plus lieu d'être. Oui, ah, c'est quelque chose que je ne savais pas. Hein. Ouais. Voilà, merci. Bon, on va revoir toutes nos recos et puis on va appeler Normantibio. Ils vont bien nous aider, je pense. Ok. Merci. Merci, docteur. De rien.